allez bien? Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est donc la présentation de la My Little Box du mois de juillet, mais également celle du mois d'août. Alors je vous avoue, je suis très très contente de la recevoir maintenant. J'avais un peu peur de la recevoir en retard, enfin du moins après mes vacances, une fois qu'on est parti dans le sud. J'avais tellement espoir de la recevoir avant, vous savez pas ma joie quand je l'ai vue dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. De plus, j'avais reçu un mail pour me dire qu'elle arriverait en retard, étant donné qu'ils n'avaient pas réceptionné tous les produits de la box. D'ailleurs, j'en avais parlé avec certaines d'entre vous. Vous me disiez justement que vous avez aussi reçu ce fameux mail. Et on était un peu frustrés parce qu'on voyait que certaines youtubeuses l'avaient déjà reçu. Alors, on se demandait comment que c'est possible qu'ils arrivent à envoyer des box, alors que certaines d'entre nous, ils disent que tout simplement, ben, les box vont arriver en retard parce qu'il manque des produits. Je trouve que des fois, My Little Box, ils cherchent un peu beaucoup d'excuses. Ils favorisent quand même pas mal les youtubeuses, hein, ce que j'estime totalement normal, étant donné qu'ils sont censés quand même faire une belle petite pub en échange. C'est sûr, ils vont pas leur envoyer des produits de merde, ils vont pas leur envoyer les box beauté en retard non plus, étant donné qu'ils doivent faire entre guillemets la promotion, et que c'est un peu quand même le but recherché de My Little Box en envoyant des box en avant-première, c'est de récolter quand même des abonnements. Donc on avait un peu échangé avec certaines d'entre vous, mais Dieu merci, je l'ai quand même reçu à temps pour ma part. Maintenant, j'espère que vous aussi vous allez la recevoir assez rapidement. Alors juste petite précision, hein, je ne crache pas sur les youtubeuses qui présentent la box beauté en avant-première, loin de là. Je les comprends totalement qu'elles sont entièrement satisfaites de My Little Box, car elles sont pas confrontées au fait que la box arrive en retard. Bien souvent, ils reçoivent les meilleurs produits, donc c'est normal qu'elles ne critiquent jamais cette box beauté. Mais moi, ce que je trouve décevant et je comprends pas en fait, c'est My Little Box. Ils arrivent à trouver des excuses auprès des personnes qui achètent les box, justement en leur disant que la box arrive en retard. Mais excusez-moi, mettez-vous à la place des personnes qui les achètent et qui voient qu'à côté de ça, ben, il y a des youtubeuses, les reçoivent en avant-première. Donc c'est qu'au final, les produits sont là, ils ne manquent pas. Mais bon, là, une fois de plus, My Little Box trouvera également une excuse, hein. Ça sera, ben, écoutez, vous n'avez pas le même profil beauté que cette personne-là. Donc ce qui est totalement normal que votre box arrive en retard, c'est la poste qui met du temps à livrer et compagnie. Enfin, après toutes les excuses, voilà, on trouve toujours des excuses, comme dit. Donc bon, mais bon, moi pour ce mois-ci, je vous avoue, je vais pas me plaindre des niveaux délai de livraison. Maintenant, je vais découvrir les produits et j'espère que je vais être très très satisfaite également. Bon, allez, let's go. Par contre, je n'ai pas regardé de vidéo sur YouTube concernant, ben, la présentation de cette My Little Box du mois de juillet et du mois d'août, car je vais quand même garder l'effet surprise. Je verrai ça tout à l'heure. Et donc, pour ces deux mois d'été, elle se présente dans deux petites pochettes comme cela, très très colorées. Franchement, j'en suis très très contente, elles sont hyper canon, matière en tissu. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs qu'elles ont, ça fait vraiment penser au soleil et à l'été justement. Parfait. Donc c'est en collaboration avec la marque Albertine. En ouvrant mon carton, j'ai d'abord également découvert un produit de la marque Kérastase. Donc franchement, j'adore cette marque là, elle est vraiment géniale. Enfin franchement, je trouve que c'est vraiment le top pour les cheveux. Donc c'est le soin nutritif concentration déception cheveux desséchés et très sensibilisés. Donc ce qui est mon cas, c'est vrai que j'ai les cheveux hyper sec. Donc là franchement, je suis vraiment ravie de recevoir ce produit, la gamme Kérastase. Franchement, c'est une marque sûre pour les cheveux. J'ai oublié de préciser, hein, les pochettes, vous pouvez les décrocher, voilà, ils sont pas forcément ensemble, donc ça c'est super. Allez, je vais commencer par celle-ci. Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'y trouve? Nous avons un petit flyer comme cela. Donc ils disent comme quoi ce dépliant est un peu vague et pourtant il est plein de surprises. Donc comme je vous l'ai dit, pour ces mois d'été, c'est en collaboration avec la marque Albertine, qui est une marque de maillot de bain. D'ailleurs, j'ai jeté un coup d'œil sur leur site. Franchement, ils font des maillots de bain
canon, enfin je les trouve hyper jolies. D'ailleurs on a un petit code promo qui nous offre 20 euros de réduction sur leur site. Nous avons également une petite feuille comme cela où ils nous donnent un indice pour la box du mois de septembre. Et apparemment, elle sera en collaboration avec la marque Nat & Na, donc c'est une marque de maroquinerie. Tout d'abord, j'y trouve donc un livre de la marque No Resilience. Donc c'est un format, vous savez, un format de poche, un format pocket. Donc c'est de Agnès Martin Lugant. Franchement, très sympa, voilà, c'est idéal pour le thème. Bon, moi je vous avoue, j'ai pas l'emporter avec moi à la plage parce que c'est juste pas possible. J'ai deux enfants très très jeunes, donc il faut les avoir à l'œil. Donc j'aurais pas une minute à moi, même ne serait-ce que me poser sur ma serviette de plage, ça va pas être possible. Donc bon, voilà, ce livre-là, je vais pas l'emporter avec moi pour la plage. Mais bon, c'est pas grave, le soir sur la terrasse, et ben pourquoi pas, ça peut être vraiment très très sympa. On reste toujours dans le thème des vacances à la mer. J'y trouve de la marque Albertine, justement, un pareo. Donc franchement, moi je vais en avoir l'utilité, c'est certain, étant donné que je pars en vacances. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous vous partez et où. Voilà, je suis quand même assez curieuse. Enfin franchement, il a l'air vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs. De plus, ils sont de la couleur, bah, justement, des fameuses pochettes. Franchement, je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Des couleurs un peu arc-en-ciel, comme a dit ma fille juste avant. Enfin, regardez, franchement, moi, je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Ensuite, j'y trouve une petite enveloppe comme cela. D'après le bruit, ça a l'air d'être un bijou. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, c'est un collier. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, il est assez simple, mais regardez-moi ça. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'il est très très sympa. Alors, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est qu'on peut tout simplement également l'utiliser en tant que chaînette, vous savez, pour vos lunettes de soleil, justement. Bon, moi, personnellement, je vais plus l'utiliser en tant que collier qu'en tant que chaînette pour lunettes de soleil, parce que, voilà, moi, j'en mets pas. Ça va plus me déranger qu'autre chose et je trouve ça dommage. Bien que ça peut être très très joli sur vos lunettes de soleil. Mais bon, moi, je vais l'utiliser en tant que collier tout simplement. Enfin franchement, je trouve qu'il est vraiment très très joli avec ses petites... Regardez-moi, franchement, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le petit médaillon. Puis j'y trouve une très bonne marque qui est donc la marque Nuxe. C'est l'huile prodigieuse. Donc j'ai déjà testé ce produit auparavant et franchement l'huile là elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup, en plus elle sent trop trop bon. Alors on peut l'utiliser soit sur le visage, soit sur le corps, soit sur les cheveux. Elle va permettre de nourrir et de réparer justement. Ensuite, encore un produit qui vient d'une très bonne marque, c'est la marque Aven. C'est une eau thermale apaisante, anti-irritante, qui convient parfaitement aux peaux sensibles. Alors là, je suis très contente de recevoir ce produit-là. Ça va permettre justement de rafraîchir un peu mon visage quand je serai en vacances. Parce qu'en plus, avec la grossesse, à mon avis, la chaleur, je vais pas trop aimer. Mais bon, je vais pas me plaindre quand on aura chaud. Parce que croyez-moi, ici dans le Grand Est, c'est vraiment une catastrophe niveau météo. Donc là, j'aurai vraiment de chaleur. Donc ce produit-là me fera que du bien. Mais également vous pouvez l'utiliser une fois que vous êtes rasé, justement, vous savez, pour apaiser votre peau. Alors ils disent également qu'il peut accompagner des traitements desséchants, rougeur du visage, rougeur du siège du bébé également, irritations diverses, feu du rasoir, donc ça je vous l'ai dit, après épilation, pour parfaire le démaquillage après un effort sportif. Enfin, il est vraiment idéal pour l'été, ce produit. Donc voilà, idéal pour cette période. Et franchement, moi, je suis vraiment très très contente parce que j'en aurai grand besoin de ce produit-là. Et donc, le dernier produit de cette pochette-là, pareil, je suis ravie et je vais en avoir grand besoin également. C'est de la marque Kirines. C'est le lait protecteur, détoxifiant et sublimateur. Alors regardez-moi le format, il est très très grand, franchement au top, il n'y a rien à dire. Jusqu'à maintenant, c'est un sans faute pour la My Little Box.
C'est un 200 ml. Il va permettre de protéger votre peau justement. Donc il a une protection très haute, indice 50, ce qui me convient parfaitement étant donné que je suis enceinte. Donc c'est vrai que je vais être très très vigilante concernant le soleil. Déjà que de base je suis une peau qui rougit très très vite, là je vais quand même en faire encore plus attention parce que j'ai pas envie de ressembler à une écrevisse. Et puis vous savez également avec le masque de grossesse, voilà, je vais pas prendre le risque, donc je vais bien me protéger. Donc ce produit tombe vraiment à pic. Donc autrement, qu'est-ce qu'ils disent, il agit sur trois axes: photoprotection globale, détoxification et perfecteur de peau. Il est enrichi en activateur de mélanine et en actif apaisant et drainant. Ce soin stimule le bronzage naturel pour un hâle plus intense, homogène et lumineux qui dure plus longtemps. Appliquez généreusement sur le corps avant l'exposition au soleil. Réappliquez fréquemment, surtout après avoir nagé, transpiré ou séché votre corps avec une serviette. Donc voilà, franchement moi je suis vraiment très très contente de recevoir ce produit. Et donc une fois ouvert, il se présente ainsi. Donc ce produit là, je vais directement le glisser dans mon petit vanity. Passons à la deuxième pochette qui est donc ainsi, couleur jaune rayée. Franchement je la trouve très très jolie. Et également, le premier produit que j'y attrape, c'est une boîte qui se présente ainsi. Donc c'est une éponge Konjac naturelle. Je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer cette éponge de plus près. Et donc une fois ouverte, l'éponge se présente ainsi sous un format de coquillage. Franchement je la trouve très très jolie, enfin j'aime beaucoup. Elle va permettre justement d'exfolier votre peau. Ils disent une fois que vous la passez sous l'eau du robinet, elle va gonfler. Et puis il vous suffit juste de masser votre visage avec. Vous pouvez également appliquer un soin dessus si vous le souhaitez. Et elle peut être utilisée quotidiennement. Rincez-la à l'eau chaude après chaque usage, puis laissez-la sécher. Elle peut se conserver jusqu'à 3 mois après la première utilisation. Et donc encore une marque que j'aime énormément, c'est la marque Rituals. Enfin, j'adore leurs produits. C'est la crème pour le corps. Franchement, leurs produits sont toujours très très bons. Moi, j'en suis trop trop fan. Donc là, pareil, une fois de plus, je ne suis pas déçue du tout. Il me semble que cette crème pour le corps, je l'ai déjà utilisée et je l'ai trop aimée. En même temps, j'ai jamais été déçue de la marque Rituals. Mais je crois que celle-ci, je la connais déjà. J'en ai déjà tellement utilisé que je sais même plus. Ouais. Oh, ça sent trop trop bon, franchement. Appliquez ça en été. Ah oui, là, vous êtes carrément en vacances. Puis j'y trouve de la marque Happy Vita. C'est un shampoing hydratant, acide hyaluronique et aloès. Encore un format très très généreux, comme vous pouvez le voir, un 250 ml. Là pareil, très très satisfaite de recevoir ce produit parce que pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore tester les produits pour cheveux. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce shampoing là parce que je ne le connais pas. De plus, ils disent qu'il est vraiment hydratant, donc ça c'est idéal également pour moi car j'ai les cheveux très très desséchés et je sais qu'ils vont être encore plus desséché qu'avant quand je serai dans le sud avec le soleil, le sel de la mer, etc. Ils vont prendre un sacré coup mes cheveux, donc ils ont vraiment besoin d'être hydratés. Donc j'ai hâte de tester ce produit là et on verra bien. Je vous donne toujours mon retour des produits que j'ai utilisés dans mes vidéos produits terminés si jamais cela vous intéresse. Je suis également très curieuse concernant l'odeur, donc je vais voir si je peux sentir. Oui, je peux sentir. Oh, ça sent trop trop bon. Ah ouais, je suis trop fan de l'odeur. Maintenant, plus qu'à le tester. Mais franchement, l'odeur, il sent hyper bon ce shampoing. Puis j'y trouve un mascara de la marque Bar Minerals. Donc là, c'est un mini format. Mais très très pratique justement si vous partez en vacances. Voilà, il prendra pas énormément de place dans votre petite trousse de toilette. Pourquoi pas. La brosse a également l'air plutôt pas mal du mascara. Je vais pas l'ouvrir parce que tout simplement je sais pas encore si je vais le garder
ou non, parce que j'ai beaucoup de mascara actuellement, donc voilà, je préfère pas l'ouvrir pour vous montrer la brosse de plus près, mais en tout cas ça a l'air d'être une brosse, vous savez, un peu sous un format silicone si je me trompe pas. Les picots, ils ont également l'air d'être courts, donc ça me convient également. Voilà, moi j'aime bien ce genre de brosse, mais bon voilà. Étant donné que j'hésite, je préfère le garder fermé pour l'instant. Alors, ils disent qu'il est doté de cils naturellement plus longs sans retomber. Donc bon, à voir s'il rend vraiment les cils plus longs. Il est vegan, il est sans gluten et également sans noix. Ensuite, j'y trouve un peigne qui va permettre de démêler les nœuds et les soucis. Donc, qui se présente dans une boîte comme cela. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer le peigne de plus près. Alors ils disent, passez vos mèches salées entre ses dents sans crainte. Il démêle les cheveux sans les mâchonner. Avec lui, dites aloha au wavy de retour de plage. Sa matière naturelle au bois de bambou respecte les tréfonds de votre chevelure océanique. Donc voici comment que se présente le peigne. Très très sympa je trouve, donc une matière bambou. Moi j'ai une bonne tête pour utiliser ce genre de produit et voir ce que ça donne. C'est la tête de ma fille, bien souvent elle hurle quand il s'agit de démêler les cheveux. Donc je vais tester sur elle hein, et on verra bien si ça crie ou non. Enfin voilà, ça reste une enfant. Mais ouais, très très sympa, voilà, un petit peigne, voilà, un petit basique. Ensuite, encore une très bonne marque, décidément My Little Box, c'est vrai qu'ils ont fait quand même fort pour ce mois de juillet et d'août. J'ai pas besoin de râler, elle est vraiment géniale cette box d'été. Enfin, moi personnellement, jusqu'à maintenant, je l'adore. Et donc, c'est de la marque Garancia. Alors, bien que je le connais déjà ce produit, mais franchement, il est vraiment super, il n'y a rien à dire. C'est le Diabolique Glaçon, c'est la crème soie cristalline. Et en plus le format est quand même pas mal du tout également, c'est un 40 ml. Donc c'est une crème lactée soyeuse qui va diminuer les traits de fatigue et hydrater sans effet gras. Enfin moi je connais ce produit et franchement il est super. Et on va terminer par un produit de la marque My Little Beauty en l'occurrence. Donc c'est une brume lactée après soleil, donc 100 ml sous format de pompe. Là pareil, moi je vais en avoir l'utilité étant donné que je pars en vacances, et même si vous partez pas en vacances, voilà, si vous avez du soleil, et ben voilà, ce produit là sera fait pour vous. Alors là je suis d'autant plus fan et j'ai juste lu le premier mot en fait, eau de coco, c'est bon, je suis au paradis. J'adore l'eau de coco, j'adore les produits à base de noix de coco. Et fleurs de tiare, alors là on est au top. Les brumes comptent pas pour des prunes, ils disent, surtout si vous vous êtes exposé un peu plus au soleil. Bon, ici je vous avoue, c'est pas aujourd'hui qu'on s'expose au soleil, comme je vous l'ai dit. Si votre peau tiraille, chitez. Cette brume légère, hydratante, prend soin des épidermes qui ont eu chaud. Moi je vais avoir très très chaud prochainement je pense. Avec de la noix de coco pour ralentir le vieillissement des cellules et de la fleur de tiare pour nourrir. Au passage, elle dépose sur la peau un parfum d'été qui vous fera changer de refrain. Donc ouais, trop trop contente encore une fois de recevoir un produit comme cela. Parce que je vais l'utiliser très très prochainement, voilà, quand je vais partir en vacances. D'ailleurs, ça approche. Il faut que je m'y mette concernant les valises. Mais pareil, ce produit, je sais déjà où je vais le mettre. Il va finir de suite ben, dans ma petite trousse. Décidément, ça commence à se remplir ma trousse. Hein. Enfin, pareil, très contente de recevoir ce produit. Par contre, là, je vous avoue, ça me démange les doigts. J'ai envie de l'utiliser de suite, d'en appliquer un peu pour voir concernant l'odeur. Étant donné que je suis une grande fan de la noix de coco. Donc vous savez quoi, je vais en appliquer un tout petit peu sur ma paume de main. Juste pour voir l'odeur. Oh, ah oui, on y est, on y est, nous sommes en vacances là, c'est sûr et certain. Oh, l'odeur elle est juste oufissime, ça sent tellement bon. Dommage que vous ne puissiez pas sentir, mais franchement, ah là je suis vraiment au paradis, je me vois déjà à la plage.
Et donc voilà, concernant cette My Little Box du mois de juillet et du mois d'août, franchement, moi je l'adore trop. Les produits sont juste géniaux. Ils sont vraiment au top pour ce mois-ci chez My Little Box. J'ai rien à dire. La petite mise au point en début de vidéo, c'était aussi par rapport aux autres box boostées précédemment et au fait qu'ils m'ont dit qu'elle allait arriver en retard. Mais bon, au final, ils n'ont pas pris tant de retard que ça. Donc, Dieu merci, j'ai pas eu besoin de râler durant cette vidéo. Enfin, je l'adore, j'en suis tellement contente des produits. Vous ne savez même pas à quel point. Je vous avoue que si je l'aurais eu après mes vacances, là par contre, ça aurait été une autre paire de manches. À mon avis, j'aurais beaucoup râlé parce que certains des produits, ben, j'en aurais pas eu l'utilité. Enfin, surtout si ce temps perdure chez nous. Parce que depuis plusieurs semaines maintenant, on se tape que de la pluie. On n'est pas du tout en été ici. Donc c'est vrai que si j'aurais eu cette box beauté, ben, après mes vacances dans le sud, c'est vrai que j'aurais un peu plus fait la tronche. Mais là, c'est pas le cas. Je l'ai eu juste à temps. Les produits sont géniaux. Comparé aux autres box beauté d'été que j'ai reçues précédemment, c'est vrai que celle-ci, elle est quand même un peu au-dessus niveau produits de beauté. Ils sont beaucoup plus dans le thème de l'été, je trouve, du moins. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je perds même mes mots tellement que je suis trop contente de cette box. Donc voilà, mettez-moi tout ceci en commentaire. Et en attendant, pour celles qui attendent toujours leur box beauté, ben j'espère quand même que vous allez l'avoir très très prochainement. Et puis celles qui veulent s'abonner, ben sachez que je peux malgré tout vous parrainer. Donc je vous affiche mon code par ici. Il est également en barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine.